Ces verres font partie de notre patrimoine. Nous les avons tous eus un jour entre nos mains. Les verres Duralex, un concentré de savoir-faire français que ces hommes font vivre depuis près d'un siècle juste à côté d'Orléans. Et quand ces ouvriers sortent de leur usine, leurs proches n'ont qu'un mot à la bouche. Bah, en général, on nous parle toujours des gobelets à la cantine, voilà, avec le numéro au fond. C'est toujours vraiment l'image qui est la plus présente. Avant de vous révéler les secrets qui entourent ce mythique numéro, plongeons-nous dans l'histoire de cette entreprise. Au Moyen Âge, de nombreux bateaux remontent la Loire, les cales pleines de vin, un breuvage qui ne résiste pas aux fortes chaleurs estivales et qui va être à l'origine de la création de la verrerie. À un moment, les bateaux étaient bloqués. On n'a pas pu décharger les marchandises et le vin a tourné en vinaigre. Il y a eu une production de vinaigre qui a été développée sur la place d'Orléans. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'en fait l'usine a été créée. Puisque la première verrerie date de 1927, c'était un producteur de vinaigre qui avait besoin de contenants. Du verre donc pour transporter le vinaigre d'Orléans. Mais après-guerre, l'usine va développer les arts de la table. Cela fait maintenant plus de 20 ans que Carlos travaille ici, au contact des fours et du verre en fusion. Pour nous, en tant que travailleurs, je dirais que c'est plus facile en hiver. Quand on arrive à la période d'été, c'est toujours un petit peu plus compliqué, l'environnement est plus chaud. Le verre, en matière première, on va avoir principalement du sable. Après, il y a beaucoup de petits composants qui vont être fondus tous ensemble. On va former une boule de verre de la forme et de la taille qu'on a besoin pour derrière, grâce à ces machines-là, presser l'article qu'on souhaite. Là, on a un petit saladier de 14 cm de diamètre. Après le formage, on va avoir tout le procédé de trempe. C'est un refroidissement très rapide qui va donner la solidité à l'article. Dans nos procédés de trempe, on utilise de l'air comme refroidissement machine. Et donc, en fonction qu'on soit en été ou en hiver, on n'a pas les mêmes types de réglages. Donc, on a une influence directe du climat extérieur. Grâce à ce procédé de trempe, ces verres font partie des plus solides du marché. Fort de ce constat, dès 1945, l'entreprise va prendre le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Ça fait référence à la citation latine « Duralex, sed lex ». La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure comme le verre, puisqu'il subit un traitement thermique pendant sa production, et ce qui le rend 2,5 fois plus résistant qu'un verre conventionnel. En s'appuyant sur cette solidité, l'entreprise va conquérir les cantines scolaires du pays dans les années 70. Depuis cette époque, une question taraude tous les écoliers. Que signifie donc le numéro inscrit dans le fond des verres ? Réponse avec Carlos. Là, on a une table donc avec 24 moules. Chaque moule donc est numéroté. C'est le fameux numéro qu'on retrouve dans tout ce qui est gobelet. On a toujours l'habitude de comparer un petit peu à notre âge. Alors là, sur celui-ci, je vous dirais que j'ai même rajeuni un peu, je suis à 26 ans. C'est toujours bon à prendre. Grâce à ce numéro, si l'on détecte un problème sur un verre, il suffit de réparer le moule correspondant sans toucher aux autres. Et avec de grandes fenêtres dans cet atelier, la lumière du jour révèle le moindre défaut. Tu vois, les moules, ils sont sales, là. Là, il va falloir qu'on les change. On changera les moules qui se sont rayés, là. Carlos passe le relais à Manuel, une figure de la maison. Ce matin, il est chargé de tester la solidité des dernières productions. Je vais contrôler sa résistance au niveau de la chute. On va positionner l'article sur la ventouse. Il est à 40 cm. Donc là, je vais lâcher l'article. Et comme vous pouvez constater, d'abord, il n'a pas cassé et il n'est pas non plus ébréché. Manuel remonte son installation de 10 cm. 50 cm, il est 10 cm au-dessus de la norme qu'on a fixée à l'article. Le verre est toujours en un seul morceau, mais Manuel est un peu joueur. Comme vous voulez voir absolument le verre qui se casse, je l'ai mis à 80 cm. Et là, on n'a pas de chance, il est toujours pas cassé. Donc, on va monter à 1,20 m. Allez, on va le mettre à 1,60 m. Ça nous fait une sacrée pub, hein, quand même. Hein. Voilà. Et comme vous pouvez constater, c'est du verre trempé, vous récupérez des petits morceaux. Vous ne récupérez pas des grands morceaux de verre qui pourraient trancher ou quoi que ce soit. C'est l'avantage aussi d'un verre trempé. Le verre trempé est aussi utilisé pour les vitres des voitures ou encore les abribus. Un gage de qualité qui a valu à ces objets mythiques de nombreuses apparitions au cinéma.
On a un verre un peu iconique qu'on retrouve assez souvent à l'écran dans des super productions américaines comme Skyfall, mais aussi dans Gang of New York, Blue Jasmine. Chaque année, plus de 100 millions d'articles sortent de cette usine à destination des 5 continents. Pourtant, au début des années 2000, la marque était mal en point. Frédéric et ses associés ont fait le pari de racheter l'entreprise. Pari réussi. Aujourd'hui, la Verrerie fait vivre 250 familles dans la région. On s'est dit, c'est pas possible, un patrimoine industriel français comme ça, que ça disparaisse. Depuis des générations, des gens de la région travaillent chez nous. C'est aussi une fierté, puisque une entreprise doit aussi avoir un rôle social, et on essaie de jouer ce rôle à plein.